Yo, on my grind all day, gonna make a million sun that someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the pan when I bite this game. Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo information sur Need for Speed Payback. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu et qui suivent le jeu, vous savez que depuis le 13 décembre ils nous ont mis des voitures cachées dans le game tout simplement. Et on n'a aucune info vraiment, c'est des voitures abandonnées qui sont planquées au pif, aléatoirement sur la carte, il faut les trouver de nous-mêmes. Et voilà, et je vous fais cette petite vidéo tout simplement pour vous dire que ça y est, j'ai trouvé la dernière voiture qu'ils ont mis. Je l'ai trouvé entre guillemets par hasard. Disons que j'ai lancé un petit live histoire de dire on va la chercher ensemble les gars. Et au bout de 3 minutes, je suis tombé dessus. Donc voilà, un petit peu la chance du débutant comme on dit. Je suis un petit peu dégoûté parce que j'avais lâché le jeu depuis quelques temps. Et je viens d'apprendre qu'en fait la voiture précédente c'était la E30, BMW E30. Vous savez que je suis un grand fan de BMW et malheureusement, malheureusement j'ai loupé la E30. Donc j'espère qu'ils nous la remettront parce que ça fait vraiment vraiment mal au cœur d'avoir raté ça. Sur ce, je vous fais pas patienter plus longtemps. Je vais vous révéler plutôt l'endroit d'où se trouve cette petite merveille. Donc pour ceux qui savent pas, c'est la Skyline 2000, je sais plus quoi. Hein, je me suis même pas trop renseigné. Je vous fais ça un petit peu à l'arrache, on va pas se mentir. Mais voilà, je vous le fais quand même. Donc elle est ici, les gars, tout simplement. Donc tout en haut à droite de la carte. Donc petite astuce, bim. Vous vous mettez au niveau de la station service qui est juste ici. Vous regardez, c'est dans ce virage-là en gros qu'elle se situe. Voilà, donc vous spawnez ici. Hop, vous mettez votre tracé là. Vous venez jusqu'ici et vous l'avez tout simplement, les gars, vous l'avez. Elle est plutôt sympa, je vais vous la montrer tout de suite. Et je vais pas vous faire la mission, je vous laisserai la découvrir. Et voilà, donc c'est celle-ci, les potes, la petite Skyline. La vieille Skyline 2000, je sais pas quoi, là, je sais plus le nom. Voilà, elle est là. Encore une fois, je suis vraiment frustré de pas avoir la BM30. Mais bon, voilà l'emplacement, les potes, tout simplement, de cette petite merveille. Donc, je rappelle que c'est pas genre on monte dedans et on l'a directement. On doit faire une petite mission. Vous faites la mission, vous devez semer les flics. Une fois que vous avez semé les flics, c'est pas qu'elle est à vous, les gars, c'est juste que vous la débloquez dans le concessionnaire et il faut l'acheter. Après, voilà, c'est pas une voiture qui est gratuite, hein, faut l'acheter. Donc faut l'acheter avec l'argent du jeu, pas votre argent à vous, hein, mais voilà. C'est pas une voiture que vous gagnez parce que vous l'avez trouvée. Voilà. Sur ce, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à la trouver, tout simplement. En attendant, moi, je vous dis à très bientôt, les gars. N'hésitez pas à liker, partager en masse, surtout que tout le monde puisse la trouver assez facilement et ne pas faire toute la carte pendant 300 ans, tout simplement. Voilà. Sur ce, les gars, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt, les gars. Ciao, ciao. Peace. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in. I've been